pain faisons-nous aujourd'hui, Lionel? Nous faisons du pain au lait. Alors, on prend 500 g de farine de blé. Un œuf entier, 10 g de sel, 12 g de levure, que je mets en petites miettes comme ça, 60 g de sucre, et enfin 125 g de beurre. Et pour finir, 2 décilitres de lait. Exact. Et on mélange, toujours la même technique, on mélange tous les ingrédients sans perdre de temps, parce que cette pétrie... Toujours à la main. Toujours à la main, oui. Alors là, on mélange rapidement. On mélange rapidement. C'est une activité. Il y a un journal américain qui a dit un jour, vous ne pouvez pas mourir avant d'avoir fait un tour en Concorde, fait la classe à des enfants, laissez tomber $1 pour qu'un enfant le trouve et faire du pain. C'est important de savoir faire du pain, d'avoir fait du pain au moins une fois dans sa vie. Ah voilà, voilà la pâte du pain au lait qui est faite. Même pas 30 secondes. Le mélange est rapide. 30 secondes. 30 secondes. Et voilà, le pain au lait. On mélange parce que ça donne du corps. C'est le geste du boulanger. Voilà, c'est le geste du boulanger. Et alors, on racle tout parce que, à nouveau, on perd rien en boulangerie. Oui. On couvre. On couvre toujours pour éviter que ça croûte. Et on laisse combien de temps? 45 minutes. À température ambiante. À température ambiante. La pâte à pain reposée pendant 45 minutes. 45 minutes, exactement. On retire le torchon. Alors, une fois de plus, le miracle s'est produit. Elle a doublé de volume? Elle a doublé de volume. Et si on la triture, alors évidemment, elle va baisser de volume. Alors là, on a fait un boudin. Oui. 2, 3. Coupe par la moitié. Oui. Alors, on peut et le couper à la main aussi. 6 petits pains, 3 et 3, 6. Et on les façonne. Voilà, c'est l'art on roule de sur la pâte à modeler un peu. Voilà. Voilà un petit pain qui est conformé. Alors, la soudure qui est en dessous, il faut la mettre en dessous pour que ça fasse plus joli, n'est-ce pas? Et là, maintenant, c'est fini? C'est fini. On laisse reposer? Alors, on reste à nouveau reposé 2 heures. Sous une toile de coton, toujours pour éviter que ça croûte. Ou un torchon. Un quart d'heure avant de mettre le pain au four, on allume le four à une température de 200-220 degrés. Les petits pains sont restés 2 heures à température ambiante. 2 heures. Alors, on soulève. Et voilà, c'est miraculeux. Là, c'est beau, non? Ils ont doublé, presque triplé de volume. Au moins doublé, mais c'est beau, non? Alors, un jaune d'œuf. Sans le blanc. Sans le blanc. Que le jaune. Hein. Que le jaune. Et alors, on passe tout doucement, avec délicatesse à nouveau. Hein. Il s'agit d'un petit pain soigné. On fait une espèce de petite pâte. Ça, c'est un truc qu'on peut laisser faire aux enfants parce qu'ils ont l'impression de participer et c'est tellement important pour eux de savoir qu'ils ont joué un rôle dans la fabrication du pain. Donc, on colore ces petits pains et enfin, on les met au four. Donc, toujours le four un petit peu doux comme température parce que ce pain contient du sucre et le sucre fait colorer trop vite. Voilà, les petits pains sont prêts à rentrer au four. Et là, on les laisse combien de temps? En fonction de la couleur, on peut les laisser 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure à 220-230. Lionel, avec ce pain, tu fais ton beurre? Non, je fais mon blé avec ça. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.